Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien. C'est vendredi, on va voir s'il y aura beaucoup de monde qui participera au cours. En tout cas, pour l'instant, il y a une quarantaine de personnes, c'est déjà pas mal. Donc je vais, comme d'habitude, dire bonjour aux gens qui sont là. Arèche, bonjour. Daniel aussi est avec nous. Bonjour Victoria, Jacques. Bickert aussi. Yossi est avec nous. Widad est là. Madouriella, Cosmina Bellou est là aussi. I Just Called est parmi nous. Raved est là aussi. Yulia a des petits yeux intéressants. Meron Teka est là. Yesero est avec nous. Ensuite, alors attendez, personne ne répond à... Raved, je suis un homme, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas une machine. Victoria, donc, comme on avait dit, est avec nous et Atifa est là aussi. Alors, j'espère que vous allez vraiment bien. Ah ben, Kefé est là aussi. Ice Cubes qui nous dit bonsoir avec des éléphants, je ne sais pas pourquoi. Victoria Possé est là aussi. Bon bah écoutez, j'ai l'impression que tout le monde est là pour commencer. Et comme d'habitude, on va commencer avec la première rubrique. Maria Bethania aussi est là. Une rubrique nouvelle, vous allez voir. J'espère que vous allez l'aimer. Alors, c'est le jeu du jour. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos que je fais sur la chaîne en ce moment, vous aurez probablement remarqué qu'avec mon fils Nicolas, nous nous excitons sur un jeu qui s'appelle Fall Guys. Et donc, je me suis dit, c'est l'occasion finalement de vous présenter ce jeu parce que c'est un jeu qui est extrêmement populaire actuellement. Donc nous allons faire comme d'habitude, hein, on va le présenter en trois points et puis vous allez chercher les mots qui manquent. Rien de vraiment, vraiment spécial. On attaque avec la première chose. Fall Guys est un jeu vidéo multijoueur développé par Mediatronic et publié par Devolver Digital. Fall Guys est un jeu vidéo multijoueur développé par Mediatronic et publié par Devolver Digital. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je vois vos réponses qui commencent à arriver et nous étions donc à la recherche de trois éléments. La première chose, c'est vidéo. Donc, en français, on met un accent à vidéo. Ensuite, développer, on va le mettre ici au masculin et donc E accent aigu à la fin. Attention Sundar, ça n'est pas l'infinitif, hein, mais vraiment ici c'est autre chose. Victoria Posse, attention, c'est E accent aigu. Meron Teka, E accent aigu. Les autres, c'est bon. Et dans le même esprit, publier, qu'on utilise aussi à la même forme, c'est-à-dire E accent aigu à la fin. Alors, regardez la deuxième partie. Et la deuxième partie, eh bien, écoutez, nous allons continuer, voilà. Il est fortement inspiré des jeux télévisés de course d'obstacles. 60 joueurs doivent surmonter des défis. Il est fortement inspiré des jeux télévisés de course d'obstacles. 60 joueurs
doivent surmonter des défis. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Merci. Alors Yossi qui dit qu'on lui a dit que vidéo c'est féminin. Oui, vidéo c'est féminin, mais ici c'est jeu. Hein, un jeu vidéo, c'est un jeu, hein, c'est pas une vidéo, mais c'est un jeu ici. C'est pour ça que c'est masculin. Alors, vous avez commencé à noter les choses. Donc, comme d'habitude, nous avions trois choses à trouver. La première chose, donc, c'était inspirer. Donc là, effectivement, on l'utilise avec le E accent aigu à la fin, comme vous l'avez noté. Non, ça c'est bien, vraiment tout le monde a bien senti. Ensuite, on avait obstacle, hein, un substantif. Donc, il est au pluriel, là, obstacle au pluriel, avec ES à la fin, je regarde. Alors, attention, Morteza, Elsa, attention, vous l'aviez mis ici. Au singulier, comme c'est une course d'obstacles, on suppose qu'il y en a plusieurs, d'accord? Il n'y a pas juste un obstacle. Et puis, la dernière chose, c'était le verbe devoir. Le verbe devoir ici, vous le conjuguez à la troisième personne du pluriel. Et donc, la troisième personne du pluriel, c'est doivent, D-O-I-V-E-N. D'accord ? Eh bien, écoutez, regardons le troisième élément. Le jeu est disponible depuis le 4 août 2020. Il utilise aussi un système de passe de combat pour obtenir diverses récompenses. Le jeu est disponible depuis le 4 août 2020. Il utilise aussi un système de passe de combat pour obtenir diverses récompenses. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, là encore, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, eh bien, c'est disponible. Disponible au masculin ou au féminin, on l'écrit de la même façon avec un E final. Ensuite, nous avions un substantif et c'est système. Meronteka, attention, et Cosmina Bellou, attention. Système, E accent grave, M-E. D'accord ? E accent grave, M-E. Même si c'est masculin, hein, on l'écrit comme ça. Et puis la dernière chose, c'était, c'est un adjectif. Alors, récompense, c'est féminin. Et donc, vous remarquez ici que récompense, c'est féminin pluriel. Donc, notre adjectif de base, c'est divers, d'accord ? Vous allez le mettre au féminin diverse. Et vous le mettez au pluriel avec un S, divers ES. D'accord ? Donc c'est pour ça qu'on va l'écrire donc D-I-V-E-R-S-E-S. Alors regardons les trois éléments de ce jeu. Si vous voulez bien,
lisez avec moi, comme ça nous donne la possibilité de travailler sur la prononciation ensemble, même si nous ne sommes pas dans la même pièce. Première chose, Fall Guys est un jeu vidéo multijoueur développé par Mediatonic et publié par Devolver Digital. Deuxième chose, il est fortement inspiré des jeux télévisés de courses d'obstacles. 60 joueurs doivent surmonter des défis. Troisième chose, le jeu est disponible depuis le 4 août 2020. Il utilise aussi un système de passe de combat pour obtenir diverses récompenses. Et avant de passer à la rubrique suivante, ma question est simple. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à ce jeu? Oui ou non? Allez-y, une petite seconde. Alors, avant de regarder vos réponses, Atifa dit pourquoi obstacle au pluriel? Eh bien parce que Atifa, en général, quand il y a une course comme ça, et si vous regardez ce jeu, vous voyez qu'il n'y a pas juste un seul obstacle, mais qu'il y en a plusieurs. Et donc, s'il y a plusieurs obstacles, automatiquement, c'est le pluriel. Yossi qui nous dit non, Upasana qui nous dit non, Ice Cubes qui nous dit non, pas encore. Pelipena qui nous dit bonne journée de la République dominicaine, bonne journée à vous, Pelipena. I Just Called qui nous dit oui, Morteza, non, mais j'aimerais y jouer. Ritem qui nous dit non, Julia qui dit est-ce que c'est possible de jouer sur Internet? On peut jouer ensemble parfois. Ah, mais oui, mais c'est. Je ne sais pas exactement. Moi, je sais que c'est sûr. C'est mon fils qui l'a pris et c'est sur la PlayStation, donc je ne sais pas. Merontéka, non. Sundar, non. Victoria Jacques, non, mais je regarde vos vidéos de jeu avec mon fils. Ah, il est très bon. Moi, je suis nul. Je commente, il joue. C'est la bonne équipe, la bonne équipe. Maria Betania, j'aime vous regarder jouer quand Nicolas joue. Ben oui, moi aussi j'aime le regarder jouer parce que c'est vraiment, vraiment formidable. Et c'est un moment sympathique que nous partageons ensemble. Allez, merci à vous, nous continuons. Alors, le saviez-vous? Et là, nous allons découvrir quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, j'espère que ça va vous intéresser. On y va. Comme d'habitude, est une chanson écrite par Gilles Thibault et Claude François sur une musique composée par Jacques Revaux et Claude François. Vous avez une photo de Claude François juste à l'écran. Cette chanson est sortie en novembre 1967 et elle était interprétée en France par Claude François. Polanka décide de l'adapter en anglais sous le nom de My Way en 1968. Frank Sinatra la chantera également à partir de 1969. Avant que Polanka l'adapte,
en 1968, le producteur de David Bowie lui demande d'écrire les paroles en anglais de « Comme d'habitude ». Mais le projet ne voit pas le jour. Ce texte sera en fait la base d'une autre chanson de David Bowie, Life on Mars. D'autres artistes ont chanté la version en anglais de Comme d'habitude. Et la liste est longue. Question, savez-vous si cette chanson a été adaptée dans votre langue? Et si elle a été adaptée dans votre langue, est-ce que vous connaissez, eh bien, le titre de cette chanson dans votre langue? Alors, Julia qui nous dit « Quelle chanson ?» Ça, c'est une question intéressante. La chanson, c'est « Comme d'habitude » qui a été adaptée en anglais et c'était « My Way ». Et la question, c'est « Est-ce qu'elle a été adaptée dans d'autres langues ?» Et donc, dans votre langue maternelle. Janai qui nous dit « Non ». Morteza qui nous dit « Non, je ne la connais pas ». Kefe qui dit « Je suis pas sûr ». Yesero qui dit « Oui ». Vous venez de montrer cette chanson dans ma langue, puisque ma langue maternelle est l'anglais. Victoria Posse qui nous dit « Oui, je la connais, dans mon pays, il y a une version Gypsy Kings et Julio Iglesias la chante aussi. » Très bien. Victoria Posse, je vais peut-être vous surprendre, et je ferai, peut-être à l'occasion, je ferai une présentation, mais les Gypsy Kings sont français, pour votre information, du sud de la France, mais français quand même. Sundar qui dit « Je ne suis pas sûr, je pense que non ». Annabelle Nouvelle nous rejoint, bonsoir. Yossi, désolé, je ne la connais pas. Indrani qui nous dit « Non, ce n'est pas adapté dans ma langue ». Victoria Jek qui nous dit « Oui ». D'accord. Maria Betania, je ne sais pas, je n'ai jamais écouté cette chanson en portugais. Atifa qui dit « Je ne suis pas sûr si cette chanson a été adaptée en arabe ». Cosmina Bellou, la chanson n'a pas été adaptée en roumain. Bickert qui nous dit « Je sais, l'exemple, il y a la neige surtout tombée. Également, tu es l'amour de mon ami ?» Je ne connais pas. Ah, c'est la chanson adaptée en turc. D'accord. Daniel Ferrari, je pense que oui, au Brésil, il y a une chanson qui s'appelle « Como é grande, meu amor por você ». Waouh, Roberto Carlos, je ne connais pas. Julia qui dit « My way », Frank Sinatra. Oui, c'est une adaptation de la chanson « Comme d'habitude ».
On va y arriver, on va y arriver. Allez, merci beaucoup en tout cas pour votre participation, même si c'était un petit peu olé olé. Alors, la question du jour, et la question du jour, regardez, on vous propose de partir en mission pour un an sans pouvoir voir vos proches. Alors, une mission, on imagine que c'est quelque chose qui est professionnel. Est-ce que vous acceptez ou est-ce que vous refusez et pour quelle raison? Pourquoi est-ce que vous acceptez ou pourquoi vous refusez de partir toute une année sans voir vos proches? Vos proches, c'est la famille ou les amis, les personnes qui sont proches de vous. Allez, dites-moi si vous acceptez ou si vous refusez et pour quelles raisons. Merci. Alors, c'est Yossi qui nous répond en premier. Yossi nous dit, je refuserais certainement, j'aime ma maison et ma famille. Si c'était pour quelques jours, alors oui, mais pas plus. Pas plus, pardon. Yessero qui nous dit, si quelqu'un me propose de partir en mission pour un an, j'accepterais parce que je pense que c'est une opportunité d'avoir un une nouvelle expérience et rencontrer des gens. Très bien écrit. Faites attention, c'est une opportunité. C'est, vous allez écrire C apostrophe EST. Elsa qui nous dit, j'imagine que je vais accepter parce que je vais apprendre plein de choses au cours de cette année et je peux contacter mes proches par téléphone. Ritem qui nous dit, si cette mission est très importante, féminin, pour ma vie, j'y partirai ou j'y participerai peut-être. Yulia, ben je n'ai aucun proche, alors oui, j'accepterai et en fait, j'ai accepté plusieurs fois. Mohamed qui nous dit non, parce que je suis assez vieux. D'accord. Victoria Posse, j'accepterai parce qu'aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons être proches également. Ensuite, Upasana qui nous dit, ça dépend pour moi parce que c'est une longue période et si j'avais eu la chance de visiter la France, je voudrais bien sûr, mais pas sûr pour un an. À la fin, je ne sais pas. c'est pas grave. Indrani, je voudrais accepter parce que j'aime l'inconnu. D'accord? Annabelle Nouvelle, ça dépend de qui l'a proposé et dans quel but. Non, l'idée, c'était quelque chose de professionnel ou quelque chose qui vous intéresse.
mais pour savoir si vous pourriez vivre un an sans vos proches. C'était ça, hein. Sundar, non, parce que ma famille est importante pour moi que d'autres choses, est plus importante pour moi que d'autres choses. Personnellement, je déteste lutter et tuer les personnes. Mais non, mais mission, c'est une mission professionnelle, par exemple. Ça n'est pas pour tuer des gens, hein. Non, non, non. Maria Bethania, je refuse si c'est une mission impossible. J'ai encore des enfants moins âgés. Oui, non, bien sûr. Maz, oui, parce que je trouve un sens de l'aventure quand je suis seul, d'accord? Victoria Jacques, oui, j'accepte pour l'expérience. Je souhaite m'installer en France depuis au moins un an et je n'y ai pas de famille proche, c'est pareil. Bah oui, oui. Daniel Ferrari, ça dépend fortement de la proposition. Je remarque que on parle d'argent là. Là, on parle d'argent, d'accord. Atifa, non, jamais, parce que ma famille est au Liban. Je ne sais pas si j'aurai la chance de les revoir après un an, d'accord. I just called nous dit oui si la mission était humanitaire. Bah par exemple, Cosmina Bellou, ce sont des métiers pour lesquels vous ne pouvez pas dire non. Quand vous recevez une tâche, si on m'avait demandé, j'aurais été obligé de dire oui. Morteza, peut-être que oui, parce que je suis jeune, et vous savez que les jeunes aiment se débrouiller seuls et vivre seuls pour un an. Oui. Ice Cubes, oui, j'aime l'aventure, et après un an, je peux voir toute ma famille ou mes amis, pas de problème pour moi. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, c'était très très bien écrit, hein. Et nous découvrons la série du jour. Et la série du jour, je ne sais pas si vous la connaissez, mais je la trouve formidable. C'est une série qui s'appelle Les Revenants. Alors, comme d'habitude, nous allons regarder trois éléments pour vous présenter l'histoire de cette série. Et donc, nous commençons bien sûr avec le premier point. La série se passe dans une petite ville française de montagne, dominée par un lac artificiel, retenu par un immense barrage. La série se passe dans une petite ville française de montagne, dominée par un lac artificiel retenu par un immense barrage. Écrivez-moi les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors, je vois que vos réponses commencent à arriver. Ici, comme d'habitude, trois éléments. La première chose, c'est le verbe « se passer » que vous conjuguez à la troisième personne du singulier « se passe »« e ». Deuxième élément, eh bien, c'est un adjectif « dominer ». Et ici, regardez, l'idée, c'est de « lier », en fait. Dominé, c'est la petite ville de montagne, hein, donc c'est féminin. Donc comme c'est féminin, vous devez mettre un E à la fin de dominé. Ça doit être au féminin
Aussi. Et puis, la dernière chose, c'est aussi un adjectif, c'est l'adjectif artificiel. Ici, l'adjectif artificiel est clairement lié à lac. Et donc, lac, vous voyez que c'est masculin, artificiel doit être au masculin aussi. I-E-L. D'accord? Et donc, pas de féminin. Je regarde Upasana. Attention, c'était au féminin. Les autres personnes. Non, je crois que c'était assez bien. Attention, Juan Camilo, c'était au féminin aussi. Donc, mettez le masculin, s'il vous plaît. Regardons le deuxième élément et on y va. Plusieurs personnes mortes depuis des années reviennent à la vie. Plusieurs personnes mortes depuis des années reviennent à la vie. S'il vous plaît, écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde et voici les trois mots que nous cherchions. La première chose, c'était plusieurs. Faites attention, on écrit PLUSIEURS. D'accord? N'oubliez pas le heur, hein? Zieur, SIEURS. Deuxième chose, eh bien, c'était morte. Alors, on va le mettre ici au féminin pluriel parce que c'est lié à personne. Personne, une personne, c'est féminin. Donc, vous devez mettre la forme féminine, morte, avec un E. Et puis, vous devez mettre le pluriel, puisque vous voyez que ici, il y en a plusieurs. MORTES. Et puis, la dernière chose, c'était reviennent. Et donc reviennent, ben c'est le verbe revenir. Donc on le conjugue finalement comme le verbe venir. Et donc ici reviennent, troisième personne du pluriel, REVIENNENT. N'oubliez pas les deux N qui donnent cette sonorité de vienne. Hein, le E est ouvert. Parce que vous avez les deux N. Troisième élément. Ils tentent de reprendre le cours de leur vie alors que d'étranges phénomènes apparaissent. Ils tentent de reprendre le cours de leur vie alors que d'étranges phénomènes apparaissent. Alors, je vois que ça commence à arriver. Donc ici,
Nous sommes encore une fois à la recherche de trois choses. La première chose, c'est un verbe. Le verbe, c'est tenter. Tenter, c'est un peu synonyme de essayer. Hein, essayer de faire quelque chose, tenter de faire quelque chose. C'est un verbe qui est un verbe régulier du premier groupe. Donc ici, on va le conjuguer tout simplement au pluriel, T-E-N-T-E-N-T. D'accord, il tente. Et puis, oui, j'avais pris les deux derniers mots en fait. Phénomène, je voulais voir comment vous l'écriviez. Alors attention, phénomène, c'est avec PH. Hein, donc la sonorité PH, souvenez-vous, c'est F, 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 F. Hein, donc c'est phénomène. Et puis, le verbe, c'est apparaître. Hein, qui est de la même famille que paraître, et quand vous le conjuguez à la troisième personne du pluriel, eh bien c'est tout simplement apparesse. A-I-S-S, donc n'oubliez pas les deux S, S-S-E-N-T. D'accord? Alors regardez les trois éléments de cette série. Et lisez avec moi, s'il vous plaît. Première chose. La série se passe dans une petite ville française de montagne, dominée par un lac artificiel, retenu par un immense barrage. Deuxième chose. Plusieurs personnes mortes depuis des années reviennent à la vie. Troisième chose, ils tentent de reprendre le cours de leur vie alors que d'étranges phénomènes apparaissent. Voilà, c'est une série qui, à mon avis, est assez sympathique et intéressante. Et la question, c'est de savoir si les gens qui sont morts reviennent et qu'ils veulent vivre leur vie et continuer leur vie, comment ça se passe. C'est une série originale, donc de Canal+, encore, et qui, à mon avis, est vraiment, vraiment intéressante. Alors, c'est comme ça qu'on parle. Vous savez que c'est l'occasion de découvrir ensemble, eh bien, le français familier. Et comme à chaque fois que nous voyons des mots du français familier, je vous dis attention, attention. C'est important de les connaître, mais ne les utilisez pas si vous n'êtes pas sûr du contexte ou des personnes. N'utilisez pas le français familier si vous ne savez pas si c'est véritablement approprié. D'accord? Alors, première chose que nous allons voir, eh bien, c'est un nom. C'est un nom masculin et c'est l'artiche. L'artiche, eh bien, ça veut dire l'argent. Et je vous donne un petit exemple ici. Sors l'artiche. Si tu veux acheter cette bouteille de vin, sors ton argent, hein, sors ton argent si tu veux acheter cette bouteille de vin. S'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec le mot artiche. Merci.
Et c'est Sundar qui commence à nous écrire la première phrase et qui nous dit « J'ai besoin de beaucoup d'artiches ». Faites attention, c'est pas article, hein, Sundar, c'est artiche. Yossi qui nous dit ensuite « Je n'ai pas assez d'artiches dans ma poche pour donner un pourboire ». Rajni qui nous dit « C'est impossible de gagner de l'artiche pour plusieurs personnes dans ces circonstances pendant ce virus ». Et c'est vrai, et c'est vraiment, vraiment terrible. Maz qui nous dit « Si, alors attendez, si vous n'avez pas d'artiche, est-ce que c'est ça, vous ne serez pas riche ?» Elsa qui nous dit « Avoir de l'artiche ne nous donne pas le bonheur », c'est vrai. Oui, Dad, si tu veux de l'artiche, va travailler. Upasana, l'artiche est très important pour grandir. Ça joue un rôle important dans la vie. Yesero qui nous dit « Malheureusement, les gens font du mal pour de l'artiche ». C'est vrai. Yulia, il y a beaucoup d'artiches qui lui permettent d'avoir un cœur d'artichaut et brûler la chandelle par les deux bouts. Alors, Darren, je n'ai pas autant d'artiches pour acheter ce petit truc. Ou je n'ai pas assez d'artiches pour acheter ce petit truc. Victoria Possé qui nous dit, si vous voulez faire la course, tu dois porter l'artiche. Les courses Excusez-moi, Victoria, je n'avais pas compris. Si vous voulez faire les courses, au pluriel, hein, vous devez prendre de l'artiche, prendre de l'argent. Daniel Ferrari, l'objet que j'ai publié dans Le Bon Coin vaut plus d'artiches que les gens offrent. C'est toujours la frustration. Hein? Vous proposez quelque chose et la personne vous dit un euro peut-être. Annabelle Nouvelle, l'artiche ne peut pas vous rendre heureux, simplement à l'aise. Alors que misérable, ou alors misérable, ouais. Indrani, si j'ai beaucoup d'artiches, j'irai au... Indrani, vous allez où? Au Maroc, au Japon, je ne sais pas. Bickert, l'artiche, attention, l'artiche, est nécessaire pour continuer la vie. S'il y a de l'artiche, et il y a du bonheur, d'accord. Janai, qui dit l'artiche est très importante pour nous. D'accord. Maria Bethania, l'artiche est très difficile à gagner parce que l'économie mondiale ne tourne pas favorablement en ce moment. C'est vrai. Ice Cubes, tout le monde a besoin d'artiche pour être riche, mais personne ne sait exactement quand ce sera suffisant. Si vous pouvez manger et que vous pouvez acheter une bouteille de champagne de temps en temps, c'est peut-être suffisant, non? Allez, deuxième chose, regardez. C'est une expression, et l'expression c'est « être balèze ». Alors, être balèze, bon, il y a plusieurs possibilités. Nous allons nous concentrer sur une signification d'être balèze. Et être balèze veut dire être fort ou forte ou être musclé. D'accord? Par exemple, à force d'aller à la salle, il est devenu balèze. Regarde ses muscles. D'accord? Donc, à force d'aller à la salle de musculation, la salle de gym, il est devenu balèze, musclé, fort. Regarde ses muscles. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec être balèze, devenir balèze, comme j'avais mis dans l'exemple. J'attends vos phrases.
Alors, Yolia est la première à nous écrire. Je ne sais pas si je suis balèze ou baraqué ou juste gras. Ah, personnellement, en ce moment, je suis juste gras. Sundar qui nous dit, regarde-moi, je suis très balèze. Très bien, j'attends vos phrases. Alors ça continue. Annabelle Nouvelle nous dit elle est balèze, juste en nageant. Eh oui, Indrani qui nous dit je ne voudrais pas être balèze, je voudrais être mince. Yossi qui nous dit cet homme qui est debout dans la rue est très balèze. Il fait probablement du sport. Rajni qui nous dit j'aime vraiment faire des exercices régulièrement, mais je n'aime pas du tout avoir envie d'être balèze, d'accord, oui. Un petit peu lourde votre phrase là. Upasana, je n'aime pas les garçons qui sont balèzes. Faites attention, Upasana, balèze, comme c'est un ici, vous allez le mettre avec un S, hein, on est obligé de le mettre au pluriel quand même. Ritem, mon cousin qui a gagné le concours de musculation, il faisait de la musculation toujours pour être balèze. Très bien écrit. Elsa, un régime riche en protéines, aime bien, aide bien à devenir balèze. On sent quand même des experts. Maria Bethania, je suis balèze quand je vais au marché faire des achats. Ah oui, parce qu'il faut porter les sacs. Darren qui nous dit, je rêve. Oui, je rêve d'être balèze un jour. C'est pas nécessaire ici de mettre un subjonctif d'arène. Attention, on ne met pas des subjonctifs quand le sujet est le même dans les deux parties. D'accord? Yessero, grâce à ses efforts, il est devenu balèze. Effort, attention, ORTS, Yessero. Meron, TK, je suis balèze en maths. Oui, c'est possible aussi. Bickert, mes fils font des exercices pendant les heures à la maison pour être balèzes. Je ne comprends pas cela. D'accord. Alors, Ravier qui nous dit plus. Ah, Ravier, rafraîchissez. On n'est pas synchronisé, Ravier. Sundar. D'accord. Daniel Ferrari qui nous dit, quand j'allais en vélo au travail, j'étais balèze. Avant le confinement, bien sûr. Oui. Mais il faut avoir un vélo à la maison maintenant. Janaï qui nous dit, à l'époque, j'étais très balèze parce que j'ai fait beaucoup d'exercices de musculation. D'accord? Et puis Morteza qui nous dit, j'étais balèze. Mais elle a préféré l'artiche. Bravo Morteza qui commence aussi à cumuler les expressions, donc c'est bien. Allez, regardez la troisième chose pour aujourd'hui. Et la troisième chose pour aujourd'hui, donc, c'est un barbuck. On l'écrit comme ça, on prononce le C final. Un barbuck, voilà, bon, c'est pas très très difficile, c'est un barbecue. Exemple, avec le temps qu'il fait en ce moment, on peut se faire des barbucks tous les jours. Donc, s'il fait beau, vous pouvez dire avec le temps qu'il fait en ce moment, on peut se faire des barbecues tous les jours. S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec un barbuck.
Alors, c'est Annabelle Nouvelle qui nous fait le plaisir de nous écrire des phrases, même si nous savons qu'il est très tard chez elle. Merci beaucoup pour ce courage incroyable. Alors, Annabelle Nouvelle nous écrit: un barbecue est parfait pour le printemps. Très bien. Yessero qui nous dit: avant l'épidémie, on a fait beaucoup de barbecue avec nos voisins dans le quartier. Très bien écrit aussi. Ritem: chaque samedi soir, je faisais un barbecue avec mon père. Très bien. Yossi: nous préférons faire un barbecue loin des maisons. Bickert: mon mari voulait un barbecue sur la terrasse ce soir, mais j'ai cours avec Vincent en ce moment. Ah non, je ne suis pas responsable. Moi, je ne veux pas provoquer des problèmes dans votre couple. Daniel Ferrari: maintenant que j'ai trouvé une boucherie brésilienne, mes barbecues sont tous avec de la viande picada. C'est la meilleure du monde. Et Daniel Ferrari: tout le monde sait que les Brésiliens et la viande, c'est une histoire d'amour quand même, hein? Et c'est le bœuf, hein? Uniquement, non? Oui, Dad, je voudrais bien aller à la forêt et faire un barbecue là-bas. Sundar qui nous dit: je ne mange pas un barbecue parce que je suis végétarien. Il existe, Sundar, des choses qu'on peut griller, hein? Moi, j'ai vu des saucisses végétariennes, j'ai vu. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire au barbecue. Ou même des légumes, tout simplement. Oh, des légumes au barbecue, c'est incroyable. Ice Cube, ce qui nous dit: j'ai un ami allemand qui aime faire du barbecue au printemps. D'accord. Elsa: le bonheur, c'est d'avoir une famille qui aime faire du barbecue chaque semaine. Ça demande beaucoup d'artiches, mais ça nous permet de devenir balèzes. Merci Elsa pour avoir utilisé les trois choses que nous avons vues aujourd'hui. Rajni: quand nous étions en Australie, nous avons fait beaucoup de barbecue avec nos amis pendant le week-end. Très bien. Victoria Jacques: je veux aller à un barbecue et manger toute la nourriture. Il faut en laisser pour les autres. Dindon qui nous dit: je veux un barbecue avec de la bière. Très bien. Upasana: je suis végétarien et je ne mange pas de. Alors, Upasana, on peut faire des barbecues végétariens. Moi, j'ai des amis qui sont végétariens et qui grille des choses aussi. Bickert: non, non, il n'y a pas de problème chez moi. Toutes les choses sont parfaites. Non, non, pas de problème. Tout va bien. Donc ensuite, très bien. Yola qui dit: non, je ne sais pas si les Brésiliens ont des sentiments avec un barbecue. Ah bah après, il faudra demander aux Brésiliens. Alors, Daria nous rejoint. Elle nous rejoint parce qu'elle sait que c'est la douceur du jour. Regardez, regardez, regardez. Alors ça, quand vous voyez un Saint-Honoré, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en manger, mais déjà, rien qu'avec les yeux, on est régalé. Donc, c'est un Saint-Honoré. Une pâtisserie délicieuse. Nous allons commencer la description, la découverte du Saint-Honoré, comme d'habitude. Le Saint-Honoré est une pâtisserie française à base de crème chantilly, de crème chibouste et de petits choux glacés au sucre. Le Saint-Honoré est une pâtisserie française à base de crème chantilly, de crème chibouste et de petits choux glacés au sucre. Allez-y, écrivez les mots qui manquent.
Alors, je vois que vos mots arrivent et donc je vais en profiter pour regarder avec vous. Nous avions donc trois mots à trouver. La première chose, bon, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai toujours envie de voir si c'est clair. Et maintenant, vous écrivez presque tous le mot parfaitement. Merendeka, un petit peu plus généreux avec le S, s'il vous plaît, deux S. Pâtis, ce. D'accord? Donc double S. Regardez ensuite, on avait chou. Ici, comme vous voyez, c'est au pluriel. Hein. Petit est au pluriel. Donc, chou doit être au pluriel. Et le pluriel de chou, c'est avec un X. Voilà. Rajni écrit chou, chou, chou. Et puis la dernière chose, ben, c'était sucre. Donc ça, sucre en général, vous l'écrivez assez bien. Oui, pas de problème. Mais en tout cas, c'est pas nécessaire de mettre le pluriel de sucre, hein, puisqu'en fait, ça fait partie de ces choses qui. Là, on parle de sucre en général, donc c'est plutôt la notion de substantif. Hein. Pardon, du. Attendez, on va continuer. Regardez. Ici, le deuxième élément. C'était le partitif que je cherchais comme mot. Le Saint-Honoré a été créé par le pâtissier parisien Chibouste en 1840 en s'inspirant d'un dessert bordelais appelé flan suisse. Le Saint-Honoré a été créé par le pâtissier parisien Chibouste en 1840 en s'inspirant d'un dessert bordelais appelé flan suisse. Alors, Ice Cube, ce qui nous dit à la fin, tout le monde va immigrer en France pour essayer toutes les douceurs. Ben, Ice Cube, il y a maintenant, on parle des réfugiés climatiques. Peut-être qu'on pourra instaurer un nouveau concept, les réfugiés gastronomiques. Pourquoi pas? Alors, trois choses à trouver. Regardez, donc la première chose c'est a été, et ça vous l'avez tous très bien écrit, donc là il n'y a pas de problème. La deuxième chose, nous sommes d'accord que c'était parisien. Ici on l'utilise comme adjectif, hein, on est d'accord. Et comme c'est un adjectif, Yesero, eh bien pas de majuscule pour le p, d'accord. Hein, si on dit un parisien, c'est-à-dire un homme de Paris, hein, un parisien, et là c'est un substantif, ou une parisienne, là on va mettre la majuscule. Mais quand on utilise comme adjectif, pas de majuscule. D'accord? Donc ici, c'est le masculin, en plus parisien, I-E-N. D'accord? Et puis, la dernière chose, alors je regarde, ouais, faites attention, ici c'est un adjectif aussi, et l'adjectif c'est bordelais, c'est-à-dire de la ville de Bordeaux. Hein, on a parlé de Bordeaux, bien sûr, pour les vins, mais l'adjectif, en fait, c'est bordelais. D'accord? Ici, c'est le masculin, A-I-S. Si c'était quelque chose de féminin, ce serait bordelaise. D'accord? Donc bordelais, Bordelais. Allez, nous continuons avec la troisième partie. Il a donné à son gâteau le nom de la rue Saint-Honoré où son commerce
était installé. Il a donné à son gâteau le nom de la rue Saint-Honoré où son commerce était installé. Alors, regardons ensemble les trois éléments que nous devions trouver. La première chose, je regarde tout ce que vous m'écrivez et c'est magnifique. Donc, donner, alors idéalement avec un accent aigu à la fin, bien sûr, puisque c'est le verbe donner au passé composé. Et donc ici, c'est juste le participe passé. D'accord ? Donc, donner, D-O-N-N-E. Accent aigu. Donc ça, c'est parfait. Ensuite, c'est un substantif et c'est commerce. Un commerce, une boutique, si vous préférez, un magasin, c'est la même chose. Un commerce, ici on l'écrit C-O-M-M-E-R-C-E, et donc c'est masculin. Et la dernière chose, c'était de l'imparfait, l'imparfait du verbe être, troisième personne du singulier, était. Était. Attention à la belle nouvelle, j'avais bien prononcé était, d'accord, était installé. Hein. Donc faites attention, E accent aigu, T-A-I-T. Allez, s'il vous plaît, lisez ces trois choses avec moi et surtout, surtout, regardez encore une fois la photo magnifique du Saint-Honoré. Bien sûr qu'on veut le manger, il est tellement beau. Oh, allez, première chose, le Saint-Honoré est une pâtisserie française à base de crème chantilly, de crème chibouste et de petits choux glacés au sucre. Deuxième chose. Le Saint-Honoré a été créé par le pâtissier parisien Chibouste en 1840 en s'inspirant d'un dessert bordelais appelé flan suisse. Troisième chose, il a donné à son gâteau le nom de la rue Saint-Honoré où son commerce était installé. Bon, préparez-vous psychologiquement, pratiquement, je ne sais pas si vous avez un verre d'eau, un café, un verre de quelque chose, c'est le verbe du jour. Donc c'est le moment pendant lequel nous allons faire de la conjugaison. Et vous le savez, à chaque fois, nous allons travailler sur un verbe et une seule personne. Mais on va tout scanner, on va scanner tous les temps utiles. Le verbe, c'est le verbe rendre, qu'on utilise assez facilement, mais bien sûr, c'est un verbe irrégulier du troisième groupe. Donc, nous allons voir les trois modes indicatif, conditionnel et subjonctif. Nous commençons avec le présent et bien sûr c'est la première personne du singulier je. Allez-y.
Alors, je regarde vos réponses. Et effectivement, bah écoutez, le verbe rendre, hein, au présent, première personne du singulier, c'est je rends. RENDS. D'accord? Je rends. S'il vous plaît, futur simple, première personne. Alors, je vois que vos réponses arrivent. Et effectivement, ici, ce n'est pas très, très, très difficile puisque c'est je rendrai. Donc, le E de l'infinitif disparaît. Notre radical, c'est rendre. RENDR. Et après, nous allons mettre notre terminaison AI. D'accord? Attention, re-react. Ça n'est pas AIS, hein, c'est une erreur classique. AIS, c'est le conditionnel présent. Donc ici, c'est vraiment AI, je rendrai AI. S'il vous plaît, le passé composé maintenant. Alors ici, la première chose qui est importante, comme d'habitude, c'est d'identifier le fait que le verbe rendre va utiliser l'auxiliaire avoir. Hein, comme la majorité des verbes, rendre utilise avoir. Donc nous mettons avoir au présent, j'ai, et ensuite le participe passé de rendre, c'est rendu, j'ai. Rendu. D'accord? Faites attention, ça n'est pas être, je ne sais pas, quelqu'un avait mis être, mais donc c'est vraiment avoir. Oui, Julia qui s'est trompée, donc c'était avoir. Regardons, s'il vous plaît, l'imparfait du verbe rendre à la première personne. Alors, jusqu'à maintenant, tout est parfait et je dois dire que je suis un homme heureux. Regardez, regardez. Donc, le verbe rendre, hein, imparfait, je rendais. Nous sommes d'accord, Victoria Posé qui a un doute, mais non, c'est parfait, Victoria Posé. C'est très bien, comme tous les autres. Bravo, je rendais, tu rendais, il rendait, nous rendions. Vous rendiez, il rendait. D'accord? Allez, s'il vous plaît, temps composé le plus que parfait. Thank you.
Alors, ici aussi, donc c'est un temps composé. Donc ça veut dire que nous savons maintenant qu'on va utiliser avoir pour le verbe rendre. Donc avoir, nous allons le mettre à l'imparfait. J'avais, et ensuite nous utilisons notre participe passé rendu. J'avais rendu. Allez, on continue avec un autre temps composé, c'est le futur antérieur. Toujours la même personne, je. Alors ici, donc c'est aussi un temps composé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on utilise toujours avoir. Avoir doit être au futur simple. J'aurai, attention, terminaison, a i. Upasana, pas de s. Meronteka, pas de s. D'accord? Et puis, nous mettons juste après, bien sûr, notre participe passé rendu. J'aurais rendu. Allez, le passé simple pour les courageux et les personnes qui veulent une bonne raison pour me détester. Alors c'est toujours notre trio de choc qui est en première position. Yossi qui dit officiellement qu'il n'aime pas le passé simple, mais à chaque fois c'est correct. Donc je suppose qu'il l'aime un petit peu. C'est une relation bizarre. Je t'aime, je te déteste, passé simple. Cosmina Bellou, c'est bien. Annabelle Nouvelle aussi. Alors faites attention, hein, donc c'est la forme je. Randy, Sundar demande quand on utilise le passé simple. Alors Sundar, j'ai fait des vidéos pour expliquer, mais pour faire les choses simplement, pour dire les choses simplement, Sundar, vous n'utiliserez jamais le passé simple, mais c'est important de pouvoir tout simplement identifier le verbe. D'accord? Le passé simple, vous n'allez pas l'utiliser, c'est clair. Mais vous pouvez le trouver quand même assez facilement dans la littérature, dans certaines choses qui sont historiques, dans certaines histoires pour les enfants. Tous les contes, toutes les histoires sont en général plutôt au passé simple. Donc c'est important d'identifier et de reconnaître le passé simple, mais vous n'allez pas l'utiliser. Allez, si on continue, conditionnel présent, s'il vous plaît.
Alors ici, c'est le même radical que pour le futur simple, REND, mais la terminaison est différente, c'est AIS, hein, donc ici le S est important, c'est la différence entre le conditionnel présent et le futur simple. D'accord? Allez, regardons maintenant un temps composé qui est le conditionnel passé. Allez-y, j'attends vos réponses. Donc, le conditionnel passé, c'est un temps composé, donc c'est clair qu'on utilise avoir. Maintenant, on va l'utiliser au conditionnel présent. J'aurai. Et ensuite, on va mettre notre participe passé rendu. Allez, soyez courageux. C'est le sprint final, c'est le subjonctif. Subjonctif présent d'abord. On y va. Et je remarque que Cosminabelou profite du fait que Yossi commence à discuter avec d'autres personnes plutôt que de nous écrire les formes correctes de verbes. Et donc Cosminabelou nous écrit un magnifique subjonctif présent que je rende. Alors effectivement, donc là je regarde vos formes. Ouais, attention Rajni, c'est pas je rendre, mais c'est je rende. Donc nous sommes d'accord que la fin c'est avec un E parce qu'il n'y a pas de S. Le ES c'est pour le tu. D'accord? Allez, soyez courageux, c'est le dernier temps, c'est un temps composé, c'est le subjonctif passé. Et alors là, regardez, regardez. I just called qui s'est dit, ça y est, c'est moi la chef, c'est moi qui suis en première position. Bickert, c'est pareil. Bickert s'est dit, ça y est, c'est moi qui commande. Félicitations. Très bien. Donc effectivement, c'est un temps composé. Donc ici, avoir doit être au subjonctif présent. Que j'ai a i e. Et ensuite, vous allez mettre le participe passé rendu que j'ai rendu. Et ça, c'est très très bien. Je regarde vos formes. C'est vraiment vraiment bien écrit. Et là, je peux vous féliciter parce que franchement, pour un vendredi, vous pouvez être fier de vous. Alors, comme chaque jour, nous avons une photo. Et quand j'ai vu cette photo, je me suis dit, voilà, il faut que je la mette dans notre cours. Parce qu'elle est quand même un petit peu incroyable, non?
Allez, la photo, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Alors Elsa qui commence et qui nous dit, des vagues de sable, c'est vraiment trop beau. C'est vrai que c'est beau. Moi je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant, il faut que je partage. Cosmina Bellou qui nous dit, je vois le rêve d'un amoureux de chocolat. Mais comment ça, Cosmina? Je ne comprends pas. L'amoureux de chocolat? Vous pensez que... Il faut développer. S'il vous plaît, Cosmina, développez parce que là, c'est mystérieux. Il y a aussi un seul homme qui semble être perdu dans les sables. Oui, Annabelle Nouvelle, je suis debout au milieu d'un foulard Hermès géant. Ça, c'est très original. Merci. Yessero, je vois une montagne de sable. C'est vrai, hein? Ritem, une personne est entourée par la montagne de sable. Oui, faites attention, Ritem, entourée au féminin, avec un E à la fin. Rajni nous dit, une femme a l'air perdue dans ces montagnes roses. Maria Bethania, c'est un grand canyon jamais vu dans ma vie. Mais moi non plus. Marwa, un homme regarde la montagne. Victoria, je pense que c'est un désert. Alors attention, Victoria. Un dessert avec deux S. Ah oui, c'est ce que vous dites. Excusez-moi. Je pense que c'est un dessert de montagne de chocolat à la crème. Mais pourquoi du chocolat? Ce n'est pas la couleur de chocolat. Peut-être alors. Ah, vous êtes comme Cosmina Bellou, vous pensez que c'est un dessert de chocolat ou quelque chose. Ensuite, Julia nous dit, je vois que ce n'est pas une photo de France, peut-être d'Arizona, sinon les couleurs sont trop jolies et la sensation magnifique. Daria, cela me rappelle les États-Unis. Ici, nous avons un homme avec son chapeau et une chemise bleue qui regarde avec étonnement la beauté de la nature et qui pense quel est le sens de la vie. Dindon qui nous dit parfait pour prendre des photos. Oui. Bickert, je vois un seul homme sur les sables. Il y a la montagne, c'est intéressant. La montagne est marron comme les vagues. Un homme est perdu ou était perdu. Ice Cube, c'est une photo du Grand Canyon. Peut-être que c'est Vincent avec un chapeau. Comme le seul touriste, et il nous raconte l'histoire de cet endroit en français comme d'habitude. Ah non, non, c'est pas moi. Aujourd'hui, j'ai juste cliqué et j'ai vu cette photo. Takwar qui nous dit, c'est magnifique. Alors, Karst, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce que vous voulez dire montagne? Sundar qui nous dit, je vois une très belle vue. Et Rajni qui dit c'est quel endroit? Eh bien Rajni, je ne sais pas. J'ai juste vu la photo, il n'y avait pas de légende. Donc il n'y avait aucune indication. Et si vous savez, eh bien dites-le nous. Et non, c'est pas artificiel. Non, non. Alors pour les personnes qui pensent que c'est du chocolat,
Bon, là, c'est une autre chose, mais ça n'est pas du chocolat, c'est naturel. Alors, comme chaque jour, nous allons découvrir une bande dessinée. Et aujourd'hui, bah écoutez, on est obligé de faire quand même dans les classiques, hein. Et pour les Français, quand même, Astérix, c'est un monument de la bande dessinée. Donc, nous devons automatiquement en parler. J'ai choisi le dernier album. Alors, le dernier album, donc c'est La fille de Vercingétorix. Et donc, on y va, regardez. Effervescence et chamboulement en perspective. La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix est recherchée par les Romains. Effervescence et chamboulement en perspective. La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix est recherchée par les Romains. Allez, écrivez les mots que vous avez entendus. Alors, trois éléments comme d'habitude. La première chose, c'était perspective, et là, c'est au singulier, mais là, pour l'instant, tout le monde l'a bien écrit. Je regarde. Attention, Julia, pas de S. Attention, Irène, perspective. Voilà. Ensuite, célèbre. Faites attention, ici, c'est donc un adjectif, hein, célèbre, qui est finalement. C'est la même forme au masculin ou au féminin. Donc, idéalement, si vous avez les accents, accent aigu sur le premier E, accent grave sur le deuxième, hein, c'est lèbre. Voilà. Et puis, la dernière chose, c'était rechercher. Rechercher, puisque nous parlons de la fille de Vercingétorix, c'est automatiquement féminin. Donc rechercher doit être à la forme féminine. Victoria Jacques avec un E à la fin. Rajni, c'est la même chose. Meronteka, c'est la même chose. Je regarde. Julia, féminin. Upasana, féminin. Irène, féminin. Sundar, féminin. Ritem, féminin. Les autres, taqua féminin, s'il vous plaît. Et puis, dindo ou dindo, mettez bien le recherché, E accent aigu, E, donc la forme féminine. Deuxième élément de cette histoire. Elle trouve refuge dans le village des irréductibles Gaulois, le seul endroit dans la Gaule, occupée à pouvoir assurer sa protection. Elle trouve refuge dans le village des irréductibles Gaulois, le seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa protection. Thank you.
Alors, regardons trois éléments à trouver. La première chose, c'était refuge. Et là, je regarde et tout le monde l'écrit. Eh bien, finalement, très bien. Victoria Posset a boycotté refuge. Pourquoi pas, finalement? Oui, je regarde les autres. Alors, ça, c'était refuge. Donc, c'est masculin, hein? Donc, un refuge, mais c'est ici, c'est l'expression trouver refuge. Ensuite, nous parlons des Gaulois. Ici, puisque nous parlons des personnes et non pas, ce n'est pas l'adjectif, dans ce cas-là, comme Yessero a magnifiquement écrit, il faut mettre une majuscule. C'est très bien, Yessero, félicitations. Donc, G majuscule AULOIS. Les Gaulois, souvenez-vous, hein, les personnes qui habitent la Gaule. La Gaule, eh bien, c'était la France il y a très très longtemps. Et puis la dernière chose, eh bien, c'était un substantif et c'est protection, donc c'est féminin. Je regarde comment vous l'écrivez. C'est bien écrit, donc pas de problème. On peut continuer. Alors, troisième et dernier point. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence de cette adolescente va provoquer de nombreux bouleversements intergénérationnels. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence de cette adolescente va provoquer de nombreux bouleversements intergénérationnels. Alors, trois éléments comme d'habitude. Ici, la première forme, eh bien, c'était le verbe pouvoir qui doit être conjugué au subjonctif présent. C'est la raison pour laquelle vous avez puisse, P-U-I-S-S-E. Puisse, je regarde, la majorité d'entre vous a bien écrit ça. Ensuite, c'était présence. La présence, donc ça on l'écrit avec un accent aigu idéalement. Attention, Bickert, ça n'était pas présent, mais c'est présence. La présence. Et la dernière chose, c'est un substantif au pluriel, bouleversement. Alors attention, on écrit vraiment un E après le L, même si phonétiquement il n'existe pas vraiment. Hein. On ne dit pas bouleversement, mais on prononce bouleversement. Mais le E doit être là. Et bien sûr, le mot est au pluriel avec un S à la fin. D'accord? Allez, s'il vous plaît, lecture avec moi. Premier élément, effervescence et chamboulement en perspective. La fille du célèbre chef gaulois Vercingétorix est recherchée par les Romains. Deuxième élément, elle trouve refuge dans le village des irréductibles gaulois, le seul endroit dans la Gaule occupée à pouvoir assurer sa protection. Troisième élément, et le moins que l'on puisse dire, c'est que la présence de cette adolescente va provoquer de nombreux bouleversements intergénérationnels.
Alors, la citation du jour, eh bien écoutez, hein, quand on a trouvé quelqu'un qui sort des choses intéressantes, on reste avec cette personne, c'est encore Coco Chanel. Et Coco Chanel a dit quelque chose d'assez intéressant. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Que pensez-vous de cette citation de Coco Chanel? Alors, Alama qui en premier nous dit, alors attendez une petite seconde, c'est une toute autre chose. Ah, il y a quelqu'un qui a envie de jouer encore. Oh, c'est incroyable. Les gens sont très, très, très. Allez, voilà. Donc, Alama nous dit, c'est une toute autre chose en réalité quand tout le monde juge les uns et les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai que vous avez raison, d'une certaine façon. Annabelle Nouvelle qui nous dit qu'elle est entièrement d'accord. D'accord. Yossi qui nous dit il faut avoir confiance en soi-même. Très bien. Yessero qui nous dit l'important, c'est d'avoir confiance en soi et c'est le plus important pour la beauté. Eh bien écoutez, c'est vrai que c'est une chose très très juste. Victoria Jacques qui dit tout à fait, absolument. Sois toujours toi-même. Très bien, Victoria. Rajni qui nous dit quand on s'arrête d'écouter les opinions des autres, on réalise la vraie beauté dedans ou à l'intérieur de soi. C'est vrai. Ritem qui nous dit, quand une personne est acceptée, soit elle n'en dépend pas de la validation des autres, à ce moment, il ou elle devient beau. D'accord, donc vous êtes d'accord, Ritem. J'avais un petit peu du mal à décrypter votre phrase. Elsa, c'est absolument juste. Ce que j'ai compris, c'est quand on accepte ce qu'on est, on se sent beaucoup mieux. Ouais, utiliser le substantif, enfin pas le substantif, la forme réfléchie. On se sent, et donc S-E-N-T. Julia, c'est pas facile d'être vous-même dans ce monde, et ce courage est la beauté en fait. Très bien. Cosmina, Coco Chanel, je l'adore, a été plus intelligente que moi. J'ai appris à être moi-même aussi tard. C'est très bien de ne pas essayer tout le temps de faire plaisir aux autres. C'est vrai, hein? Daria, il est bon de ne pas mourir de la, mourir de la réplique de quelqu'un. Oui, d'accord. Il vaut mieux être vrai ou naturel, peut-être être soi-même. Il vaut mieux donc ne pas être faux, oui, ou fausse. De nos jours, beaucoup de gens suivent les autres et essayent d'être comme eux. Ça, c'est vrai, c'est peut-être le problème finalement. Victoria Posse, excusez-moi, mon pays est en train d'annoncer des nouvelles mesures pour le Covid. Oh, ok, bon, et regardez Victoria, regardez, regardez, parce que c'est vrai que en ce moment, en Espagne, c'est pas, c'est comme en France, c'est pas joyeux, joyeux, hein.
Alama nous dit, c'est une stratégie brillante du marketing de la part de Coco Chanel. Oui, c'est vrai aussi. Très bien. Et puis Ice Cube qui dit, d'accord, chaque personne est unique, même parmi les autres, montrer est la beauté. Sundar, c'est vrai, on ne doit pas penser ce qu'il pense. Oui, on ne doit pas faire attention à ce qu'il pense de nous, comment on les juge. Daniel Ferrari, je suis d'accord, la nature. Nous les hommes, les animaux, peuvent vraiment être heureux quand ils sont libres, avec un S, pour faire les choses qu'ils veulent faire. Très bien. Bickert, nous devons toujours, alors attendez, savoir qui nous sommes. Nous devons nous connaître nous-mêmes et la beauté commence dans la vie pour nous. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces phrases très très intéressantes. Alors, le film du jour, et bien regardez, le film du jour, c'est un film franco-algérien et il s'appelle La Maquisarde et il doit sortir cette semaine normalement. Je pensais que ça pouvait être intéressant de le présenter. Donc, comme d'habitude, nous allons découvrir l'histoire en trois points. Algérie. 1956. Plongé dans une guerre qui ne dit pas son nom. Une jeune paysanne devient malgré elle une maquisarde. Algérie, 1956. Plongé dans une guerre qui ne dit pas son nom. Une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Alors, trois éléments. La première chose, c'est un substantif qui n'est pas très 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 joyeux, mais en tout cas, c'est le féminin et c'est une ou la guerre. On l'écrit GUERRE. D'accord? Une guerre ou la guerre. Ensuite, nous étions à la recherche d'un adjectif. L'adjectif, c'est paysanne. Ah non, ici c'est pas un adjectif, excusez-moi, l'adjectif c'est des jeunes. Oh mais il existe un adjectif aussi. Donc c'est un substantif et c'est le féminin de paysan, hein, une paysanne. Et puis la dernière chose c'était malgré et vous l'avez bien écrit donc avec un accent aigu idéalement. Julia demande c'est quoi? Une maquisarde. Alors, une maquisarde, c'est en fait quelqu'un qui, quand son pays est occupé par un autre pays, donc il y a une situation d'occupation, cette personne décide de se rebeller, c'est-à-dire de joindre un mouvement de résistance. Donc, une maquisarde, c'est un petit peu synonyme de résistante. Dans ce contexte-là d'occupation. Deuxième élément pour la présentation de ce film. Mais lors d'une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la conduit dans un lieu
d'interrogatoire. Mais, lors d'une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la conduit dans un lieu d'interrogatoire. Écrivez les mots qui manquent, s'il vous plaît. Alors ici, comme d'habitude, trois éléments. La première chose, c'était un verbe à l'infinitif, puisqu'il est juste après le verbe faire qui est déjà conjugué. Elle se fait capturer. Et là, on va mettre l'infinitif er. Ensuite, c'était le verbe conduire. Le verbe conduire, puisque le sujet, c'est le groupe de commando, troisième personne du singulier, on doit conjuguer conduire à la troisième personne du singulier, UIT. Et puis la dernière chose, c'était un substantif, un lieu, un endroit, d'accord? Donc LIEU. Allez, dernière chose pour cette histoire. Elle est enfermée et elle se retrouve avec une ancienne résistante française. Elle est enfermée et elle se retrouve avec une ancienne résistante française. Alors, Alama était. Il y avait de l'enthousiasme. Hein, c'est yeah! Alors, on regarde maintenant les trois éléments que nous cherchions. La première chose, c'est enfermé. Enfermé. Alors, vous entendez la nasale pour commencer. C'est en, donc c'est en. Enfermé. Ici, on doit mettre le féminin, puisque vous voyez que c'est elle. Donc, E accent aigu, et puis un E après. Ensuite, finalement, c'est un adjectif. Vous avez probablement entendu ancienne, et vous voyez que juste avant, finalement, c'est un article qui est au féminin. Une. Donc, votre adjectif doit automatiquement être au féminin. I. E-N-N-E, ancienne, résistante, donc ça c'est la forme féminine de résistant, donc résistante idéalement avec un accent aigu sur le premier E, et puis un E final pour marquer le féminin. Attention Ritem, ça n'était pas résistance, mais c'était résistante. Sundar, la même chose. Une résistante, hein, donc c'est une personne qui résiste à l'envahisseur. Regardons les trois éléments de cette histoire. Première chose, Algérie 1956, plongée dans une guerre qui ne dit pas son nom.
Une jeune paysanne devient, malgré elle, une maquisarde. Deuxième élément, mais lors d'une attaque, elle se fait capturer par un groupe de commandos qui la conduit dans un lieu d'interrogatoire. Troisième chose, elle est enfermée et elle se retrouve avec une ancienne résistante française. Et voilà, c'est la fin de notre cours parce que je dois rapidement aller retrouver un ami dans un bar pour profiter de la soirée avec lui. Donc, nous allons nous retrouver demain si je suis raisonnable ce soir. Et c'est probable et c'est possible. En tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment sympathique de passer ces presque 2 heures en votre compagnie. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, matinée, après-midi, nuit ou soirée, c'est comme vous voulez. On se retrouve demain si je ne fais pas d'abus ce soir. Au revoir et j'espère à demain.